C'est parti, 40 minutes avant de peut-être faire tomber le Real. C'est l'objectif du Mega Miss Belgrade qui veut faire peur aux favoris à l'ogre Madrid pour ce jour 2 des NGT Finals avec Jack Cahill. Pour l'instant, il cherche plus la passe, il n'est pas encore en confiance. Bosniakovic, il reste 4 secondes sur la possession. On sort à 3 points justement, le voilà Bosniakovic. On l'a dit, il est capable de scorer, il le montre dès son entrée en jeu. C'est ambitieux, Igor Demine sur ce tir. Krofić qui décale à 3 points dans le corner. Nouvelle réussite pour Vojinović cette fois. Après Jack Cahill et Krofić, c'est lui qui s'y met. Mais c'est plutôt cohérent, ça s'y fait de la même manière des deux côtés. Andrés. Ah, il est passé, il a de l'espace, Andrés, bien sûr. Et bon écran d'Ismaïl Adjane qui lui a libéré une autoroute vers le panier. Andzev. Gonzalez, il reste 5 secondes sur la possession, il faut le prendre, Hugo Gonzalez, la feinte. Ah, pas mal le step through d'Hugo Gonzalez. Ah, la bonne feinte et le footwork de l'Espagnol pour inscrire de nouveaux points. Originaire de Marseille, Kylian Miché. Hugo Gonzalez. L'Eurostep, Hugo Gonzalez. Qu'est-ce que c'est compliqué ce qu'il a tenté, Hugo Gonzalez. Il a su trouver un angle quasiment invisible. Allez, bonne défense de Lucas Solomon. Voilà, il en fallait. Voilà, il fallait bien un joueur pour défendre sur Hugo Gonzalez. Finalement, c'est Lucas Solomon qui récupère ce ballon en transition. Ouais, très belle passe vers Jack Cahill. Il a fait le tour de Igor Demine pour la donner, cette balle. Là, il va gêner Hugo Gonzalez. Oh, on l'a bien coupé. Hugo Gonzalez, le step back, il préfère ne pas le prendre. Et regardez, Lucas Solomon, il se jette sur toutes les passes. Il est passé des clans de roue, encore une fois. Qui, comme au premier match, vient essayer d'arracher l'arceau des clans de roue. Et on voit la réaction du public. C'est un habitué du fait des clans de roue. Oh, il avait tenté de tout arracher aussi, Nikolic, il avait voulu se venger des clans de roue. C'est lui justement qui commet la faute. Il était passé sur le jab step. Il a été pris par deux joueurs. Retour en jeu d'Abdurrahman Sibi. Jack Cahill. Ah, il ressort bien à 3 points vers Filipovic. C'est dedans. À 0 degré, Filipovic servi sur un plateau par Jack Cahill. Un petit point d'avance pour Belgrade. Encore 7 minutes 40 à jouer dans ce troisième et avant-dernier quart-temps. Ouh, il avait tenté, Ismaïl Adjane. Il a voulu se faire plaisir. Abdurrahman Sibi, est-ce qu'il s'est fait contrer? Est-ce qu'il s'est fait rejeter par l'arceau? Ah, j'ai tout l'impression qu'il s'est fait bâcher par Abdurrahman Sibi. Je pensais qu'il s'était fait contrer par l'arceau. Vojinović en transition, il met un petit peu de vitesse. Vojinović, un petit peu trop de vitesse même, il perd cette balle. Il y a un contre un à jouer pour Igor Demine qui préfère faire tourner. Traoré qui met dedans à 3 points dans le coin alors qu'on réclamait un marché. Vramovic qui est évidemment pas satisfait. Oh, l'énorme compte de Gildas Jiménez. Oh, le 3 points avec la planche. C'est sûrement pas annoncé, comme Yanis à l'arrière. On m'a dit que Krofić était à 3 sur 6 à 3 points hier. Il est capable de mettre dedans. Ouais, pas mal le backdoor d'Igor Demine, contré par Abdurrahman Sibi. Ouais, fin des 24 secondes. Abdurrahman Sibi qui était là pour sauter ce ballon. On va au ralenti. La deuxième lame derrière Jack Cahill. On pensait que le Real avait l'occasion de faire un petit écart. Finalement, c'est Mega Miss Belgrade qui repasse devant. Jack Cahill tout en vitesse. C'est bien ressorti à 3 points. Ouais, magnifique la passe décisive de Jack Cahill vers Vojinović qui est maintenant à 3 points. Et temps mort tout de suite. Très logique de Javier Juarez. Là, c'est évidemment Jack Cahill qui est prêté. Qui a pris les rênes. Une distance à réussite pour Igor Demine. Ils en avaient besoin de ce tir, le Real.
Ushakovic. Ismail Adjane, attention pas à la perte cette balle. Déclan Dourou. Solide avec sa main gauche, Déclan Dourou. Bosniakovic, l'écran d'Ismail Adjane, Bosniakovic. And one pour Bosniakovic. Et qu'est-ce qu'il est important ce panier? Il obtient la faute de Dejan Filipović. Ouais, il avait baissé sa main. Oh, à 3 points, qu'est-ce qu'il est important ce panier pour égaliser en début de 4ème carton. Voilà, Jack Haye, balle en main. Et on serre la main chaude, Vojinović à 3 points. La main chaude, la main bouillante. Ouais, il est en train de surchauffer cette main. Et le retour de Kylian Miché d'ailleurs en jeu. On espère voir guider un petit peu et fluidifier le jeu du Real. Bosniakovic justement à 3 points servi par Kylian Miché. Première passe décisive pour le français. À peine entré en jeu. Attention à pas non plus trop prendre de jeu à son compte, Vojinović. On n'a plus beaucoup vu Jack Kyle offensivement. Qui reste les bloqués à 14 points. Là, il est passé, Bosniakovic. Il sert Bosniakovic. L'écran d'Eklan Dourou. Il a de l'espace pour jouer d'Eklan Dourou. Le spin move attrapé par Abderrahman Sibi. Voilà le joueur qui manquait à l'intérieur pour le méga Belgrade. C'est Abderrahman Sibi. Originaire de Bamako. 2m11 pour Abderrahman Sibi. Kylian Miché, on est passé en défense de zone. Hein. À 3 points! Un shoot assassin de Bosniakovic qui est en train de prendre les rênes de ce match sur cette fin de rencontre. Kandourou, Ismail Adjane. Ah, le bon mouvement. Ah oui, c'est beaucoup trop facile. Sous le panier pour Igor Demin. Et Real Madrid est en train de prendre une vraie option sur la victoire. Jack Cahill, défendu par Bosniakovic, l'homme qui a fait la différence dans cette fin de match. Jack Cahill sort à 3 points. Et c'est dedans, le méga Miss Belgrade qui s'offre un petit peu d'espoir en cette fin de match. Avec Nikolic à 3 points. Et pour l'instant encore de l'avance. Il faut marquer les tirs quand il le fallait. 10 secondes encore à jouer sur la possession. Kroflic sort à 3 points. Il reste 5 secondes, il va falloir créer quelque chose. Il est très compliqué ce tir, mais distance. Ça roule sur le cercle pour Srentić. Et le Real qui a tout intérêt d'emmener ce ballon jusqu'à la fin de la possession. Il y aura des mines. Ouais, c'est pas une bonne faute. Ils sont en train de fuir les joueurs du Real Madrid. Ils dribblent le plus loin possible. Kylian Miché, attention, il est en difficulté. Kylian Miché. Ouais, finalement, ils vont même réussir à emmener ce ballon jusqu'à la fin des 24 secondes. S'ils arrivent à scorer, ça va faire très très mal. Kylian Miché à 3 points. Et c'est dedans pour Kylian Miché. L'assassin se nomme Kylian Miché. En ce début d'après-midi à Berlin, c'est le Français qui vient de tuer le match. Et la réponse à 3 points qui sera inutile malheureusement. Probablement 5 secondes encore à jouer. 5 points d'écart, Kylian Miché. Quel tir! Quel tir du meneur français! Oh, il est assassin celui-là. Hein. Le tueur Kylian Miché. Ah, ils ont même réussi à esquiver la faute jusqu'à la fin de ce match. Victoire du Real Madrid de 5 petits points. Que ce fut compliqué pour les hommes de Javier Juarez qui finalement s'imposent face à une valeureuse équipe du Mega Miss Belgrade qui sera restée dans le coup pendant les 40 minutes. Mais finalement, l'adresse à 3 points qui était plutôt inexistante sur tout le match a fait la différence avec 2 tirs d'affilée dans le 4ème carton pour les Madrilènes.